even get some calls. Yo les gens, c'est G.I. John Doe et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Far Cry 3. Far Cry 3, ce jeu magnifique. En attendant, j'espère pour vous que ça va très bien, mon papa, comme d'habitude. Ça va nickel, j'ai la patate. Et on se retrouve directement au cœur de l'action sur Far Cry 3 pour le premier épisode de ma mini-série. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, vous le verrez dans le titre. Hein, pour le deuxième épisode, je saurai comment je l'aurai appelé, forcément. Je suis en plein truc là parce que, en fait, je vais vous expliquer le projet. Il s'agit de capturer tous les avant-postes du jeu sans se faire repérer. Je dois absolument finir l'avant-poste en ayant 1500 XP, de quoi j'ai pas été détecté et qu'il n'y a pas eu d'alarme. Et je dois le faire only cut. Et si vraiment l'ennemi est loin, à l'arc. Vraiment si l'ennemi est loin. Sinon c'est only cut. Et je suis dans la difficulté la plus dure du jeu, qui est la difficulté maître. Normalement, je vais vous faire montrer un peu le décor, histoire de vous faire passer le temps que je vous explique. Normalement, je suis censé avoir fini le jeu et vous faire tous les avant-postes. Comme ça, j'aurai plus que les avant-postes à faire, j'aurai toutes les compétences du jeu, j'aurai toutes les armes, donc j'aurai l'arc, forcément. Et donc j'aurai l'arc et le cut, tout ce qui est le plus important, et les compétences pour pouvoir faire tous les avant-postes d'un coup et que je puisse vous faire plusieurs avant-postes sur une même vidéo ou quoi que ce soit. Mais je vais vous montrer, c'est le tout début du jeu, c'est le tout début. Et là, on va arriver à cet avant-poste. Mais pourquoi je vous le fais maintenant et pas à la fin du jeu, ce premier avant-poste? Parce que c'est un avant-poste qui fait partie de la première mission. Je ne peux pas y échapper. Donc, j'ai décidé de vous faire cet avant-poste dans une première vidéo. Donc, je n'ai pas fini le jeu. Je n'ai aucune compétence. J'ai juste un cut et je suis en difficulté maximum. Bon, forcément, le premier avant-poste n'est pas dur du tout. Mais c'est vraiment pour faire ça en vidéo et pour vous expliquer un petit peu ce qui va arriver dans cette mini-série par la suite. Donc, voilà. Vous avez compris le principe. Donc, je vais vous montrer que je suis bien en maître. Vous voyez que c'est le début du jeu. Mais j'ai pas le choix. Comme la mission fait partie du didacticiel, je suis obligé de la faire. Résultat, comme je suis obligé de la faire, bah elle va passer. J'avais pas envie de vous la zapper pour le truc total. J'avais envie vraiment de vous faire tous les trucs. Alors, comment on fait pour vous montrer que je suis en difficulté maximum? Je ne sais pas. Comment on fait? Peut-être dans manuel. Compétences à récupérer avec les conduits, non. Et c'est le tout début, hein. C'est le tout début, regardez, avant-poste, 0 sur 34, c'est marqué, mais je suis obligé de le faire, donc je vous le fais directement, ça m'aurait fait chier de vous en louper un, vous seriez posé des questions, puis comme ça, ça me permet de vous expliquer un petit peu. Comment on fait pour vous montrer que je suis en difficulté maximum? Alors, c'est peut-être là. Combat, moto, machin, déplacement rapide, feuillage, arme gratuite, interaction avec les objets, saut, mission, pionne radio, sprint, marquage dans ses cailloux, choix de l'arme. Ouais, c'est didacticiel, ça. Manuel du jeu, histoire, commande à pied, c'est toutes les commandes ça. Ah bah c'est peut-être là-dedans, affichage, jouabilité, combat, furtivité, y a pas de difficulté là. Je ne vois pas. Non, y a pas. Bon, toujours est-il que je suis dans le mode de... Ah bah peut-être dans options. Jouabilité. Indicateur. Difficulté du jeu. Voilà, j'ai trouvé. Maître, très difficile, donc difficulté maximum. Nous sommes en difficulté maximum et je dois passer cet avant-poste only cut sans me faire repérer impérativement. Voilà, donc ça vous donne un avant-goût de ce qu'il y aura plus tard. Donc j'ai pas de silencieux, j'ai rien, donc j'ai pas le choix, j'ai même pas d'arc, donc ça sera que du cut. Allez, c'est parti. Et donc c'est un projet de mini-série que j'aurai où je vous ferai un ou deux avant-postes ou même trois selon la rapidité de la vitesse à laquelle je fais les avant-postes. J'essaie de faire des vidéos de 5, 6, 7 minutes maximum. Faut que ça aille. C'est vraiment le principe d'une mini-série quoi. Voilà, donc déjà on va toujours commencer un avant-poste par identifier les ennemis. Je crois pas qu'il y en a des masses sur cet avant-poste et il est très compliqué cet avant-poste. Alors si je fais trop de fails, il y aura une compilation. Je vous mettrai pas tous les fails, normal. Sinon, ce serait beaucoup trop long. Alors, on va la tirer déjà celui-là. Et j'ai aucune compétence, hein, je tiens à le souligner, c'est tout début du jeu. Et forcément, comme j'ai aucune compétence, eh ben, je n'ai pas le truc pour tirer les ennemis, enchaîner plusieurs ennemis au cut, etc. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est pas grave.
toute façon, c'est que le premier épisode, vous verrez par la suite. Bah, dès le deuxième épisode, vous verrez que j'aurai absolument tout dans le jeu, puisque j'aurai fini le jeu. Je vais vraiment finir le jeu sans faire aucun avant-poste pour tous les garder à la fin. Je vous montrerai la carte à la toute fin, vous verrez, ça c'est sympa. Alors là, le problème, c'est comment je vais faire. Bon, lui, c'est celui que je vais éliminer après. Je vais détourner leur attention pour que je puisse passer. C'est parti. Oh merde. On va la tirer là-bas, regardez. Le but, c'est de les isoler parce que là, j'ai vraiment rien. Va là-bas. Bon, les ennemis sont extrêmement cons, hein, que ce soit en maître ou pas. Vaut mieux que tu sois une stripteaseuse. Vaut mieux que tu sois une stripteaseuse. Non. Bon, bah voilà. Premier fail, j'avais complètement zappé qu'il y avait un chien. Le problème, c'est qu'un chien sans arc ou sans arme silencieuse, je suis mort. Bon, bah voilà, fail, je vais me laisser tuer. Voilà. Parce que quand je fail, le but, je me laisse tuer pour pouvoir reprendre l'avant-poste de zéro. Donc voilà, premier fail. Alors, pour ce premier épisode de cette mini-série, il risque d'être un peu plus long, le temps que je vous explique un peu le principe de la série. Et puis, bah, comme tout simplement, j'ai rien. Donc, je suis en mode gros, galérien. Le chien, honnêtement, je sais pas comment je vais le tuer, sachant que j'ai pas d'arme silencieuse. J'aurais une arme silencieuse, je l'aurais tué, parce que de toute façon, là, j'avais pas le choix, j'ai pas d'arc. J'aurais un arc, je l'aurais tué à l'arc. Mais j'ai pas d'arme silencieuse, et un chien, si je m'approche de lui, il va me capter, hein, que... Faut que je repère le chien absolument. Je l'entends à gauche. Alors même s'il est à gauche, j'y vais pas parce qu'il va me repérer cet enculé. Bon, alors là le but ça va être très simple, c'est qu'il va falloir que je les isole. Je vais en emmener un là. Ok. Le but c'est que je l'emmène là-bas là. Il est tout seul à vous. Oh là 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 là, ce putain de chien il commence à me gaver hein. Le chien, il a attiré par mes cailloux. Bon, allez, tuez-moi. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Franchement, je sais pas. J'ai pas de silencieux, quoi, putain. Comment je peux faire? D'où il s'excite, lui? Ok. Bon, le chien se barre à perpète. C'est pas une mauvaise chose. Voilà, toi, tu vas venir vers moi, mon cochon. Toi... Tu repars dans l'autre sens, c'est très très bien. Toi, regarde, va voir là-bas. Ok, un ennemi juste là, il faut que je le dissuade aussi. Hop, va là-bas. Toi, va encore un peu plus loin. Oh putain. Oh, c'était chaud. Oh là là, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Toi, tu vas te saouler, là, salope de clébard. Va niquer ta mère un peu. Et on se retrouve tranquillement. J'ai essayé de retourner en arrière pour essayer d'aller acheter un silencieux. Or, ce n'est pas possible. Si je quitte la mission, ça me ramène automatiquement ici. Impossible d'aller racheter un silencieux parce que je veux défoncer ce putain de chien qui me casse les couilles et je peux pas. J'aurai un arc, ça serait fait en une flèche, on n'en parlerait plus. Le problème, c'est que j'ai pas d'arc parce qu'on est encore qu'à au tout début du jeu. Et puis, si j'utilisais un silencieux, de toute façon, ça sortirait du contexte de la série. Donc, je vais devoir me coller le chien au couteau, ce qui est quasiment impossible. Je sais même pas si c'est possible d'ailleurs, sans qu'il me repère. Il est là-bas. Et donc il va falloir en fait que je l'élimine en dernier. Si je l'élimine en dernier, genre à la grenade et qu'il me repère pas, il n'y a pas de problème. Mais l'éliminer en dernier, c'est un vrai problème parce qu'il colle les ennemis. Ouf, et ce putain de chien, s'il nous repère, c'est comme si on avait été repéré par un ennemi, donc c'est fini. Bon. Je vais d'abord effectuer une technique très simple. Parce que là, c'est la troisième fois que je recommence. Donc, en fait, il faut d'abord que j'élimine cet ennemi. C'est le... éliminer cet ennemi. Ensuite, éliminer un deuxième par cet endroit. Le chien va se ramener. Je change de spot. Il faut que je contourne. Ouh, il a failli me repérer, celui-là. Ah, bah, les autres, en attendant, ils ont vu qu'il y avait un truc chelou qui se passait. Et le chien va se ramener. Non, même pas, c'est bon. Ok, ils ont vu qu'un... Enfin, il y en a un qui a vu un truc chelou. Les autres n'ont rien vu. Et ça m'arrange, comme ça, il va faire tout le tour de la base pour venir me chercher.
Et je pourrais le niquer. Parfait. Et on va voir là-bas. Trouvez celui qui a fait ça. Alors vas-y, viens. Je leur ferai payer pour ce meurtre. Ok, c'est bon. Ouh. 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 Le chien, il est où? Il a pas bougé. Y'a rien là. Putain, putain. Les rebelles doivent se foutre de nous. Il s'écarte. Oh, c'est magnifique. Et lui, faut que je le fasse aller par là-bas. Donc l'autre, il s'est barré à Pétaouchnok. Allez, c'est parti. Je vais pas prendre de risque en lui passant devant. T'as bien entendu, va voir. Magnifique. Le chien a toujours pas bougé. Le problème, c'est que les ennemis sont repartis vers lui. Ok. Bon. Maintenant qu'ils sont plutôt loin, c'est quoi ça? C'est un cochon ou ils sont... Ouais, c'est des cochons. Bon, le but du jeu va être très simple, le chien n'ayant pas bougé, je vais devoir les attirer vers moi. Voilà, viens voir papa, moi je vais te contourner. Oh, putain. Et ils sont très réactifs les ennemis. Viens voir vers moi. Ça venait de par là. T'as exactement tout compris, ça venait de par là. Voilà, donc le but c'est de l'attirer et une fois qu'il est prêt. Bon après faut pas trop les prendre pour des cons parce qu'ils se doutent d'un truc. Voilà, et là ils se retournent et là c'est l'élimination. Voilà. Il en reste un, plus un chien, il faut que je me dépêche d'aller vers lui. Bah en fait il se barre à Pétaouchnok, le mec il lâche complètement sa base. Ok. Va voir la botte, donc va pas vers le chien. Va pas vers le chien, je t'ai dit. Oh merde, putain. Si les deux sont proches, je leur mets une grenade. Est-ce que j'en ai une? J'en ai pas, si j'en ai. Oh, allez, ça c'est fait, bitch. Non repéré, là, attends, oh, voilà, non repéré. Beau gosse ou pas? Beau gosse ou pas? Première mission du jeu en maître, j'ai rien du tout, only cut, même pas un arc. Bon, c'est vrai que la grenade, à la base, j'avais pas dit que c'était autorisé. Mais bon, hein, normalement, voilà. Le chien, là, il pouvait pas faire grand-chose. Donc voilà, tranquillement, on finit ce petit avant-poste. Alors, c'est mon troisième essai, là. Franchement, j'ai eu pas mal de la chance. C'est mon troisième essai seulement. J'ai fail deux fois. Et d'ailleurs, vous aurez les deux fails en compilation juste avant. Alors voilà, c'était le tout premier épisode pour vous présenter un peu le but. J'espère que ça vous a pas mal plu. Alors par la suite, j'aurai le droit seulement à au cut, comme j'ai fait jusqu'à présent, et un arc. D'accord, j'aurai le droit qu'à ça. Pas de grenade, rien. Uniquement cut et arc. Attention, arc à la seule condition que ce soit un animal qui fait chier comme un chien, ou que l'ennemi soit extrêmement loin et que j'ai pas que ça à foutre d'aller le chercher. Voilà. Ça sera les seules conditions. En attendant, j'espère que ce petit premier épisode de cette mini-série vous a plu. Et que dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Et puis que voilà, vous voulez que j'enchaîne sur les autres avant-postes. D'ici là, moi j'ai tout le jeu à finir avec tout à faire sauf les avant-postes à conserver pour vous faire tout ça tout à la fin et que j'ai toutes les compétences et qu'on se marre bien. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.